la salle où est-ce que Karina va faire mes cheveux. Et voici Karina! Hello. Donc, explique en gros un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, on va changer tes cheveux. C'est sûr, ses cheveux, c'est foncé. Ça fait qu'on va aller avec une balayage ombrage. Mm-hmm. On va pallier beaucoup ses pointes avec des petits baby highlights. Puis on va garder ses racines quand même foncées pour que ça soit plus convenient pour elle, oui. Pour qu'elle ne revienne pas tous les mois. Mm-hmm. Puis ça va être super beau, je suis sûre. Oh, merci beaucoup! Salut tout le monde! Donc, la dernière fois, j'ai pas pu faire un peu ma conclusion pour mon expérience chez Salon en Vogue avec Madame Corina. En fait, j'ai vraiment adoré ce qu'elle a fait à mes cheveux. Le travail a été assez long, il a duré toute la journée. Puis par la suite, en faisant justement ce changement que moi j'ai vraiment aimé, qui était très 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 naturel, ça fait vraiment un effet fondu, tout en utilisant des produits qui vont justement pas abîmer nécessairement mes cheveux. Bien sûr, quand on pallie le cheveu va être abîmé dans tous les cas, mais Corina, elle utilise un produit qui s'appelle Olaplex, mais en fait elle n'utilise pas exactement celui-ci, mais c'est dans le même principe, puis ça permet de protéger les cheveux d'après ce qu'elle m'a dit. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience avec elle. Elle est adorable, elle est hyper gentille, elle va vraiment écouter ce que la personne veut. Puis pour ça, vraiment, je la remercie énormément. D'ailleurs, j'ai un concours présentement avec elle et vous pouvez gagner la chance d'avoir une métamorphose capillaire. Donc à ce moment-là, vous pourrez avoir un masque, une coloration, également un balayage, l'Olaplex et un brushing, bien sûr, une mise en pli, etc. Donc tout ça pour une valeur d'environ, je pense, 350$, donc ça vaut vraiment le coup. Vous allez sur mon profil Instagram que je vais mettre ici et à ce moment-là, vous allez participer au concours en suivant les règles, bien sûr. Et bien la gagnante sera annoncée aux environs de la semaine prochaine, donc je pense le 8 mars, jeudi prochain. Et voilà, donc j'ai super hâte d'annoncer la gagnante. Je sais qu'il y a trop de filles qui veulent participer. Il faut savoir que Corina, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir son salon aux filles voilées, donc à chaque 2 semaines, ok, à chaque dimanche de chaque 2 semaines à partir de la date du 11 mars. Donc vous pouvez déjà la contacter pour prendre rendez-vous et à ce moment-là, c'est ça. Donc il n'y aura pas à se soucier s'il y a des hommes ou pas, elle va fermer le salon et vous serez que des femmes. Donc pour toutes les filles voilées de Montréal ou aux alentours qui veulent se déplacer, qui cherchent une bonne coiffeuse, donc Corina, elle est vraiment 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 faite pour ça. Ça fait 15 ans qu'elle fait ce métier. Et franchement, ça se voit que c'est une professionnelle. Donc voilà, c'est important aussi de vous mentionner que j'ai un code promo de 15% de rabais. En fait, il faut juste mentionner mon nom, lui dites que vous venez de ma part et elle va vous offrir 15% de rabais sur la coupe, la coloration, peu importe ce que vous venez faire, elle va vous offrir un 15% de rabais. Donc ça vaut vraiment la peine de faire ça. Voilà! Bon, maintenant je suis prête, je vais aller manger avec les filles, donc il y aura plein de filles différentes et je vais vous filmer tout ça. On va aller à un restaurant indien Halal du Vieux-Port de Montréal et on va pouvoir s'amuser, manger, parler, discuter, donc ça va être super bien. J'ai vraiment hâte d'y être et là moi je suis déjà prête, je suis toujours prête en avance. Moi. À tout à l'heure, bisous! Allô! On est au restaurant et il y a Fatima! Nour! On va mettre son Instagram juste ici. Yeah! Madame Patricia, a.k.a. Meryem, a.k.a. Latina NTL, a.k.a. Almostora. Donc, on est au resto, on est dans un resto indien Halal et on attend encore quelques invités pour pouvoir commencer à manger. Voilà. On a vraiment faim, so. Ouais. Fatima, elle a la dalle. J'ai la dalle. Comme d'hab.
Instagram, girl? Imanajar.photography. Okay. Mashallah. Mashallah.